Alors, bonjour à tous. Mon nom est Marc Labrèche, le fils de Gaétan Labrèche. Je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous aujourd'hui parce que je suis en tournage, mais quand même vous dire brièvement que c'est un immense, c'est un vrai plaisir et un grand, grand bonheur de reprendre Les Aiguilles et l'Opium, qui en fait, ça ne devait pas arriver, ça. Ça ne devait pas se passer. C'est que je parlais avec Linda Beaulieu, qui est la sœur de Robert Lepage. On parlait de mille et une choses comme ça, et j'ai dit à Linda, j'ai dit, ah, moi, si, comme ça, s'il y a vraiment un spectacle que j'aimerais refaire, auquel je repense régulièrement, c'est Les Aiguilles. Puis Linda a dit, ah oui, bon, tout ça, ça reste comme ça. Puis, quelques semaines après, elle me revient, puis elle dit, ben, sais-tu, j'ai parlé de ça à Robert, qui reprend jamais ses shows, vraiment. Je veux dire, une fois que le show est fini, une fois que la période d'atelier puis de création est terminée, le show, bon, passe à d'autres choses, il passe à d'autres choses, puis tout ça. Mais là, elle dit, c'est pour la première fois, peut-être, de revisiter Les Aiguilles, ça serait quelque chose qui l'allumerait, ce qui m'a allumé, évidemment, beaucoup. Puis, alors, on s'y est replongé, puis c'est donc pas une reprise, c'est vraiment une revisite du show d'origine dans une autre scénographie, avec des scènes ajoutées, avec des tableaux ajoutés, mais ça reste le même propos, ça reste le même thème, mais sensiblement les mêmes textes aussi, dont les textes de Cocteau, tout ça qui sont là, puis la même imagerie, mais un petit peu plus sophistiquée et un petit peu plus dans la lignée de ce que Robert fait depuis ce temps-là, et une vraie recherche de visuel qui continue dans cette œuvre-là de la même façon qu'elle était déjà entamée dans Les Aiguilles d'il y a 20 ans. Donc, ça me fait très plaisir d'y retourner, en tout cas. Puis j'espère que les gens vont avoir autant de bonheur à la découvrir qu'à la redécouvrir pour ceux qui l'auraient vue.